Avec ça, normalement, tu dois grimper aux arbres. Il faudrait le bâton. Ah ben bien sûr. Et puis un verre, même si cet après-midi t'as soif, il faudrait même en boire un petit peu encore. Et puis ce soir. Oui. Ah ben oui, parce que si tu le bois pas puis que tu le laisses dans la boîte, hein, ça sert à rien hein, dans la boîte. Ah ça c'est sûr. Oui, là tu iras faire ta sieste et puis après tu viendras jusqu'à avec nous là-bas. Il fait bon. Et puis tu bois un coup de temps en temps. Plateau prosaïque. Il n'y a pas rentré. Il en a pas attrapé encore? Oh si, il n'en a pas attrapé. Mais il les tue pas. Ah, il les tue pas? Non. Ça les immobilise. Non. Il les tue pas. Mais il manque que la parole, hein. S'il pouvait causer. Là-bas, des fois, je le dis, moi, qu'il manque que la parole. Je dis, les mains plus intelligentes d'aucune personne. Tu veux du fromage blanc? Ah, je ne sais pas, à force. Sinon, je vous ai pris tous les médicaments, hein. Ben, c'est nourrissant, puisque c'est des vitamines. Ah oui, enfin, c'est comme tu veux, il hein, faut pas te forcer. C'est-à-dire, si le coup de 4 heures. Ouais, ben vaut mieux que tu manges plus souvent. Oui. Faut manger un petit peu. Eh ben oui, il faut mieux manger petit, mais souvent. Mmh. Puis tu bois ton truc, là. Allô? Oui? Ah, salut! Comment vas-tu? Oui? Oui? Ah, ok. Salut. C'était François qui téléphonait. François Faucon qui téléphonait pour souhaiter la fête des pères à son père. Ah oui. Il a peut-être passé ce soir. Parce qu'il va photographier une fête des écoles. De qui? Une fête des écoles à Vierzon. Les écoles, les gamins, ils font une fête. Oui. Et puis donc, il va les photographier. Ah, oui, oui. Alors, oui. Il travaille cet après-midi. Oui, oui. Voilà. Comment il travaille, le garçon? Ben oui.